Salut les marcheurs blancs, c'est Isocat. L'hiver est venu, a perdu et a disparu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dédiée à la saison 8 de Game of Thrones, plus précisément la fin de cette série qui aura été un vrai coup de cœur. Quelques acteurs se sont exprimés quant à la saison 8 et je me suis dit que ce serait cool de vous partager leurs réactions sur ce final que partagent les fans de l'univers de GOT. Let's go! Commençons par la mère des dragons, jouée par l'actrice Emilia Clarke. Si vous traînez sur la sphère obscure de Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que celle-ci avait ri aux éclats lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de la saison 8. Have you shot your final scenes yet and are you happy with how things ended? Yes. She didn't say yes. You didn't say yes. Best season ever. Mais cette réaction n'est pas la seule que l'actrice nous ait donnée. Effectivement, avant même que la saison ne soit finie, elle était invitée à l'émission de Late Show et a expliqué qu'après la première lecture du script de la saison finale de GOT, elle est sortie pour une longue balade et que selon elle, il aurait dû pleuvoir pour montrer dans quel genre d'état elle était. Elle va même jusqu'à parler d'une crise existentielle. Emilia Clarke a également parlé au magazine The New Yorker, contrairement à d'autres, elle n'a pas dit en tout cas cette fois-ci de choses ni positives ni négatives par rapport à cette saison. Elle a en revanche répondu honnêtement à une question qui lui a été posée. Celle-ci était « Que changerais-tu de la saison 8 pour Dany si tu en avais la possibilité ?» Ce à quoi elle a répondu « Bon, je ne peux parler que pour mon personnage et ceux avec qui j'ai interagi durant le tournage, mais j'aurais aimé avoir plus de scènes avec Missandei. J'aurais également aimé plus de scènes entre celle-ci et Verkri. » Elle continue sur sa relation avec Cersei. Elle aurait aimé avoir plus de scènes avec elle, surtout lorsqu'elle est devenue folle. Elle finit en disant qu'elle espère que les gens aient comme dernière impression d'elle quelqu'un de vulnérable et presque d'innocent. L'acteur de Bran, Isaac Hempstead, s'est également exprimé sur ce final au Entertainment Weekly. Il leur a dit qu'il pensait s'être fait pranker. Il dit « Quand j'ai reçu le script dans la fosse des dragons du dernier épisode, j'ai vraiment pensé que c'était une blague et que le scénariste avait envoyé à chaque acteur un scénario dans lequel leur personnage finissait sur le trône de fer. Mais il est tout de même satisfait de cette fin. Il dit « Je suis content même si j'aurais préféré mourir dans une bonne scène avec ma tête explosée ou quelque chose dans le genre. » Hempstead Isaac pense que Bran la corneille à trois yeux ferait quand même un bon roi par rapport à son statut de corneille, sachant ce qu'il se passe dans le passé, présent et futur. Mais il dit aussi qu'il pense qu'il manquerait peut-être quelque chose dans le fait d'avoir un vrai leader qui a des émotions, qui est une qualité importante pour un roi ou une reine. Quand il a su pour la pétition, Hempstead s'est exprimé sur le sujet dans The Hollywood Reporter. Il dit que lui est content du temps controversé plot twist concernant Dany dans les derniers épisodes. En parlant de la pétition, il dit que c'est juste absurde, c'est ridicule selon lui que des gens pensent qu'ils peuvent demander une fin différente juste parce qu'ils ne l'ont pas appréciée. À son sens, c'est une bonne fin. En parlant de Dany, il dit « C'est sûrement un personnage que tout le monde aime. Dany est un personnage brillant qui a fait tant de choses fabuleuses et sauvé beaucoup de gens. » En tout cas, Bran de Broken a fini sur le trône des six royaumes, que ça plaise ou non. Passons à l'acteur de Jon Snow, Kit Harington. Si beaucoup ont été déçus et en colère de la descente à la folie de Daenerys Targaryen, ce n'est pas le cas pour Kit qui a tenu à défendre les scénaristes. Il s'est exprimé à ce sujet en disant que Daenerys Targaryen n'était pas une bonne personne tout du long. Cela peut mener à un débat, mais selon lui, il n'y a rien dans la série qui ne soit pas cohérent avec ses personnages. Ah bon, Kit? Tu as déjà oublié ce que tu as dit lorsqu'on t'a demandé de décrire la fin de la saison 8 en un mot? I couldn't let you go without asking you a little question about Game of Thrones. Sure. If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word, how would you describe it? Disappointing. Disappointing? No, epic. I don't epic. Know. One of those ones. Two words. We got two words. Disappointing yeah. and epic. Yeah. Sophie Turner, l'actrice de Sansa, a également pris la parole dans le New York Times à propos de la fin de Game of Thrones. Elle qualifie la pétition de irrespectueuse, que ce soit pour les équipes, les scénaristes et les réalisateurs qui ont bossé sans relâche pendant 10 ans et 11 mois pour tourner la dernière saison. Elle n'est pas surprise et dit « Les gens ont toujours une idée dans leur tête de comment une série doit finir. Et quand ça va pas dans leur sens, ils commencent à parler à propos de ça et à se rebeller. » La chose qui a toujours été incroyable dans Game of Thrones, c'est qu'il y a toujours eu des plot twists de folie et des rebondissements comme la décapitation de Ned dans la saison 1. Donc que Dany devienne une Mad Queen, ça ne devrait pas être une chose négative pour les fans. C'est un choc bien sûr, mais je pense que c'est juste parce que ça ne va pas dans leur sens. Elle est également contente de la fin de son personnage Sansa, qui est devenue la Reine du Nord. Elle dit « J'ai adoré, c'est le seul endroit où elle se sent réellement en sécurité. Elle sera une bonne reine et c'est ce qu'elle a toujours voulu durant toute la série, retourner à la maison et la protéger et finalement, elle y a droit. » Sophie
Turner comprend aussi pourquoi Bran Stark a gagné au Jeu des Trônes. Le roi Bran le Brisé, je suppose que c'est inattendu, mais ça a du sens. Le meilleur moyen pour nous d'avancer vers le futur, c'est de regarder dans le passé et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est la seule personne qui sait tout, donc c'est logique. On a l'impression qu'il serait un dirigeant incroyablement juste. Voilà voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quel est votre avis par rapport à cette saison 8 qu'on a longtemps attendue. Personnellement, j'ai été très déçue de cette fin qui est incohérente. Je comprends qu'on puisse trouver cela logique de mettre Bran le Brisé comme roi et protecteur des 6 royaumes, mais ça n'a pas de sens par rapport au reste de la série. Bran Stark est devenu la corneille à trois yeux et depuis, il n'est plus Bran. Il ne cesse de le répéter et ce particulièrement durant cette saison 8. Il n'est censé ne plus avoir de rapport avec le royaume humain par rapport à son statut de corneille à trois yeux, mais accepte de devenir roi des 6 royaumes alors qu'il ne souhaitait même pas être gouverneur du Nord et seigneur de Winterfell à son retour. Malheureusement, la cohérence n'est pas présente, même si je comprends le choix des scénaristes de le mettre sur le trône justement pour avoir un souverain juste, mais alors ils auraient dû passer plus de temps au développement de ce personnage. Par exemple, j'aurais bien aimé le voir récupérer son humanité et s'intéresser à la politique juste après l'extinction des Marcheurs Blancs, mais ce ne fut pas le cas. Alors oui, ça sort malheureusement de nulle part. Et je comprends qu'on puisse être déçu de cette saison qu'on a patiemment attendue et qui s'est vue manquer cruellement de temps. Je suis impatiente d'avoir votre avis dans les commentaires, je sais qu'ils sont partagés, donc dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et surtout likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!